château de Saint-Victor-sur-Loire, peut-être du 12e siècle avec cette tour, plan de cour. Alors ce château, il a d'abord servi de dernier lieu pour Saint-Martin. En fait, il y avait beaucoup de passages ici, et il fallait contrôler tout ce qui se passait. Alors il y avait des soldats dedans. Et ensuite, c'était des religieuses. C'est compliqué. Alors comme personne ne peut y aller, eh bien qui vit dans les forêts? Les animaux, voilà. Lesquels? Qui c'est? Tarzan. Vous ne l'avez pas encore sorti celle-là. Tarzan, ouais, on va dire. Les sangliers, des biches, ouais. Jusqu'à 1m80 d'envergure. Et bien entendu, on m'a dit aussi qu'on était entouré de cailloux, des rochers. Eh bien oui. C'est le deuxième milieu naturel le plus important, le milieu rocheux. Et la roche, c'est du granit. Et elle chauffe l'été avec le soleil. Et j'ai entendu parler des serpents. Eh bien oui, les serpents adorent venir sur... Ah oui, il y en a. Ah ouais. Bah dites-moi, allez, qu'est-ce que d'après vous, ce qui... Voilà, j'arrive peut-être à mes phrases. Quel poisson peut-il y avoir dans le... Cendre, rocher, ouais. C'est quoi? Ah non, c'est Black Bass. Black Bass, non, il n'y a pas là. Brochet, des carpes, oui. Des carpes. Il y a des perches partout. Il y a une 2m50 et puis il mange tous les autres poissons. Il n'a pas de prédateurs, du coup il se répand très très rapidement. Il y a quoi d'autre? Il y a des gardons, chevennes. C'est le sonneur à ventre jaune. Il a un ventre tout jaune avec des points noirs. Et en fait, lui, il est assez particulier parce qu'on n'entend pas, enfin pratiquement pas. Et lui, il vit dans ses marais. Pardon? Ah oui, les gilets jaunes. Alors, on me demande ce que c'est.
travaille la nature, hein, c'est pas de la peinture. Il est venu il y a 50 ans pile poil cette année. Et après son passage, il a été mondialement connu. Est-ce que ça vous parle? Oui.